Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du montage chez Azuka Model. Donc dans un premier temps, je vais commencer par les roues, donc tout a été ébavuré et préparé. Les roues doivent rester fonctionnelles, donc pour ça il n'y a qu'une partie de collée. À l'intérieur des carters, ils préconisent des morceaux de plastique pour avoir un effet de suspension, mais moi j'ai opté pour des petites plaques de mousse que je vais mettre en 3 épaisseurs. Une fois dans le carter, nous avons un rendu de suspension. Nous passons à l'arrière, donc le pot d'échappement, les tractions arrière et les trappes. La trappe ne sera pas collée par la suite, elle sera juste emboîtée. Alors il faut savoir que pour les optiques, les grilles d'optique, il y avait de la photo découpe, mais en fait j'ai préféré la garder pour un autre kit. Donc du coup, j'ai mis celle en plastique. J'ai mis un petit élastique pour tenir la tourelle, mais bon, vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour être sûr que ça reste bien en place. J'ai décidé d'ajouter un petit peu de plastique putty pour la tourelle, car au niveau de la jointure, c'est pas très joli. En réalité, c'est une soudure qu'il y a, donc une grosse soudure. Donc pour l'assouplir, j'ai décidé de mettre un petit peu de putty au niveau du joint. J'en ai rajouté aussi un petit peu au niveau des crochets. Pour les roues, on a le choix de deux différentes roues. Et j'ai opté pour celle avec les trous. Bien entendu, on ne colle pas.
Voilà le résultat de la maquette pré-montée. Donc j'ai fait un pré-montage, les roues ne sont pas collées, j'ai juste mis de la pâte à fixe pour vous montrer le résultat une fois monté entièrement. Il ne reste plus que les fusils mitrailleurs, les petites pelles et tous les accessoires qui seront peints séparément. Le canon sera changé, on mettra un petit canon en aluminium. C'est une très très bonne maquette, vraiment agréable à monter. Là c'est pratiquement du 9 sur 10. Une fois qu'on aura fait les pactages avant la mise en peinture, ça sera une très très belle maquette. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut les amis!